Hey, salut à tous les amis, c'est Oka, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Badass Survival 48, 49, un truc comme ça, je sais plus. Bref, on était en train de creuser la mine, on en avait pour des heures, il fallait que je fasse des ressources, des récoltes, des bazars, des trucs incroyables et tout ça, on y retourne. Donc là il est 23, j'en ai jusqu'à 43 si je veux faire un épisode normal, et bien sûr je vais dépasser comme d'hab. Et surtout, surtout, j'aurai jamais le temps. Ah merde, voilà, alors. Abruti de crétin que je suis. Je commence déjà à retomber, je commence déjà à m'emporter. Mais première connerie, où sont mes escaliers? C'est beau, ça rime. Alors, c'est vrai, ça rime en plus, c'est fantastique. Escalier. Bim, ta mère, 40 escaliers, ça suffira, vous pensez? Je pense pas. Pouf, 4 de plus, ça suffira. Ça suffira largement. On y retourne. Surtout que j'ai déjà fait une partie. On active le radar quand même. Ça suffira pas. J'y crois pas, ça suffira pas. Faudra que je remonte entre temps. What? Ah non, tu fais pas ça. Tu te mets pas à faire des conneries comme ça. S'il te plaît. Enfin, c'est ridicule. Alors oui. Alors on risque d'avoir un problème à chaque fois. C'est que moi je fais jamais gaffe à où je creuse. Et surtout à comment je creuse. Regardez là, du coup on va se retrouver bloqué là, là, là et là. Donc tac, 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 là il faut une torche. Ici, voilà, sous ce bloc. Et on y retourne. On creuse. Voilà, donc le but c'est d'atteindre la bedrock avant la fin de l'épisode. Toujours, même si j'ai dit ça à l'épisode d'avant et qu'on n'y a jamais réussi. Mais c'est pas grave, on va y arriver ce coup-ci, j'en suis sûr. Et de laisser des petits escaliers derrière nous. Oh, du charbon. Tiens, je parlais dans l'épisode d'avant, je parlais des coups en charbon de je sais plus quoi. Bah, ils vont être un peu amortis là, je crois. On va juste hop, faire un petit bazar là, un petit trou là, voilà, pour pouvoir placer la torche ici. Voilà, même si au final je pense que je ferai des trous un peu plus grands. Voilà, donc on va commencer à creuser le charbon. Écoutez, hein, il y a des ressources, on les récolte. On est là pour ça quand même. Voilà, tac, tac. Hop, c'est un bon filon en plus. Je vais même mettre une petite torche pour rien de perdre. Putain, ça a illuminé le plafond, c'est incroyable. Hop, hop, et hop. Pluie de charbon, merci. Voilà, donc on va juste mettre cobble. Mettre de la cobble partout pour éviter le pop de monstre en fait, et pour éviter que je sois là en train de descendre et que j'entende blablabla et que je me dise what the fuck, parce que sinon ça va me stresser à chaque fois. Donc on va commencer déjà à prendre des précautions pour éviter ma monumentale connerie. Oh. De la terre. Je suis attaqué par de la terre. J'aurais pas besoin de bois dans les profondeurs. Hop. Putain. Bon, voilà de la terre. Très bien. Pelle. À vos pelles. Non, j'ai pas besoin d'un briquet, j'ai dit une pelle. Pelle. Bon, ça aura été vite au final. Y a pas masse bois non plus. Enfin, y a pas masse. Ah si, y a un peu plus. J'aime bien la terre sortir un peu très vite. Ça sortira assez vite, c'est pratique. Par contre, c'est dégueulasse, regarde. Oh oh, c'est de l'or? Non. C'est quoi? C'est quoi? Attendez. Hop. Pouf, voilà. Donc c'est du. Ah, c'est du fer. Viens, viens, ça du fer. C'est un fer. Vraiment un fer? Genre seulement un? Ah ouais, seulement un. Bon bah très bien. Je me sens un peu baisé quand même là. Je vois avec que je me dis pas bah, dans mon cerveau d'un seul coup ça a fait ouais des trucs. Ah bah non, que dalle. En fait pas de trucs. Est-ce que j'enlève tout ce merdier? Ouais, on va pousser un peu dans ce merdier. J'aime pas la terre, enfin j'aime bien la terre mais j'aime pas la terre parce que c'est très moche la terre.
Alors, s'il n'y a pas des trucs à récolter derrière, non, oui, non. Que dalle. Que dalle de la merde. Oh, c'est quelque chose ça. C'est quoi? Du charbon. Du fer. Du fer et du charbon, ça c'est très bien. On se refait un peu de. Comment? On se refait un petit peu de ressources, c'est bien pratique. Par contre, on n'est pas une couche très très élevée. Par contre, ouais, non, bah, au pire, le pop de monstre, je m'en branle. Je réagirai quand je passerai à côté, puis je serai en mode, what the fuck, pourquoi? Je me poserai des questions et tout, on saura pas pourquoi. Et puis, au final, je creuserai les murs, et puis je trouverai la salle, et puis je ferai merde, pourquoi j'ai pas rebouché, et puis voilà. Comme d'hab, quoi. Alors. Je creuse tout parce que c'est très moche, sinon. Elle est placée où là? J'allais dire la ward. Hop, hop, voilà. Bah ça avance, en tout cas on avance bien quand même, hein, on creuse assez profond. On aura peut-être la couleur de la bedrock avant la fin de l'épisode, on est à couche 24. Oui, j'ai envie d'aller profond, moi. Je sais pas, j'ai pris d'une inextinguible soif de profondeur actuellement. Attends. Attends, il y a comme une couille dans le potage là. Il y a comme une couille dans le potage. Où est-ce que j'ai fait de la merde? Attends. Tac. 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 C'est là que j'ai fait de la merde. Très bien. Je me disais aussi, il y a un problème. J'ai descendu trop vite. Merde! Fait chier. fait très chier. Bon, pas grave. On va se démerder. Voilà, c'est réglé. Problème résolu. Ah, problème résolu. Hop! Hop, voilà. Bon, là, on peut se remettre à creuser normalement. En évitant de se dépêcher comme un gros fucktard et en évitant du coup de rater tout ce qu'on fait. Voilà, hop, c'est bon. J'ai plus de place dans mon inventaire. Plus de cobble, fini. Fini la cobble, stop. J'en ai marre. Fini la cobble. J'en ai déjà trop. Couche 17, on y est presque les amis. On y est presque. J'aurais même plus d'escalier pour la finir, la couche 17, soit dit en passant. J'aurais pas du tout d'escalier pour la faire. Alors, torche ici, du coup, torche là. Du coup. Torche ici. Hop. Bon, bah ce qui est bien. On est vraiment profond là. Est-ce que on pourrait pas tomber sur du diams? Genre on creuse comme ça juste pour faire un escalier et paf, diamant. Oh, ce serait swag. Oh, je serais heureux là. Déjà que là on va faire paf bedrock. Ça va bien me surprendre ça quand je vais creuser puis je vais faire tiens, ça passe plus, pourquoi? Pourquoi ça passe plus? Merde. Genre j'arrive encore à me foirer sur ces trucs là, j'y crois pas. Pourtant j'essaie de faire gaffe. J'essaie de faire gaffe pour avoir les piles les bonnes. Pour pouvoir prévoir les escaliers tout ça et non, que dalle, j'arrive encore à foirer. Bon là par contre on va récolter masse bazar. Oh! Oh! C'est une émeraude du chaos! J'y ai pas rêvé! C'est une émeraude du chaos. Mais qui claque ça comme ça, quoi. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Et dégage. Tu es à moi, émeraude. Oui! Émeraude! On va pouvoir trade contre des trucs. Avec les messieurs.
qui font. Voilà, on va pouvoir leur donner des émeraudes. Même si au final, c'est plutôt moi qui vais les garder, les émeraudes. Un pickaxe, s'il vous plaît. On a encore une. Tout va bien, nous sommes sauvés. Nous avons encore une pioche. Nous avons encore une pioche. Bon, je suis à la couche 7. On y est? On y est? Bedrock, mes amis. Nous sommes à la bedrock. Nous sommes sur le lit de la terre de Minecraft. Et voilà, bedrock. Couche 5. Je peux pas aller plus bas. Enfin, si, on peut, mais enfin, ça sert à rien parce qu'on va tomber sur des trucs pas possibles à creuser, genre ça. Voyez. Donc, on va commencer à taper sur les côtés pour agrandir un peu, pour faire une petite pièce à la sortie de l'escalier. Et tomber sur le diamant. Ce serait bien, non? Ah bah oui, très bien, oui. Bah, suffisait de demander. Yes, sa mère du diamant! À moi! À moi, tout le diamant du monde! Je peux même pas le ramasser. Oh, le seum! Non, 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 tu dégages. Non, terre, tu dégages. Diamant is better. Voilà. Diamant plus grand que terre. Actuellement, diamant plus grand que terre. C'est tout. Réfléchis pas plus. Diamant plus utile que terre. On va juste faire un petit truc. Un petit truc. Un tout petit truc. Qui pourrait être très sympathique. Voilà. On va foutre un water bucket. Voilà. C'est-à-dire, ouais, qu'est-ce que tu fais? Ben, pour pouvoir descendre. C'est tout. Pour descendre, je vais me lâcher. Je vais me lâcher dans le vide et puis je vais faire YOLO et plouf. Voilà. Et ça ira beaucoup plus vite comme ça. Du coup, on va juste mettre une torche ici plutôt. Ce sera beaucoup plus sympa. Et on va creuser autour de l'escalier. Hein, comme je vous l'ai dit. Pour faire un peu de place. Putain, on a du diamant, j'y crois pas, quoi. À peine je mets les pieds à la bedrock, boum, direct diamant. Je suis bien accueilli. Je me sens bien accueilli. Je me sens plutôt bien, là, actuellement. Directement, j'arrive du diamant, quoi. C'est plutôt cool. C'est vraiment très, très cool. Voilà. Bon, bah, très bien. On va même creuser un de hauteur de plus. On va pas se gêner. Attendez, on a la place quoi, hein. On y va. Mec, attendez, si on peut, on fait. Enfin, ça paraît logique. Juste éviter d'entamer l'escalier quoi. Hop, bah attendez, je peux virer celui-là déjà. Tac, tac. Alors là, on va juste virer ça pour pouvoir grimper là. Tac, tac, tac. Ah non, c'est bon, c'est ça. C'est ça. Alors on a notre putain d'escalier. On va faire tac. On va faire tac. Voilà, comme ça c'est éclairé. Maintenant il n'y a plus qu'à faire le bas de la mine. Bon bah très bien. Nous avons une mine. Sa mère. On y est. Bon là on est à la bedrock, on a de quoi faire quoi. Là c'est bon, on peut genre faire ça, tomber sur de la terre, rager. Du coup on va faire ça plutôt, voilà, faire ça. Tac tac, tomber sur de la redstone. Truc comme ça, creuser, prendre. Voler les entrailles de la terre et les dépouiller de leur butin sacré. Plein de trucs très passionnants. Creuser là. Comme ça. Tomber sur de la ferraille. La prendre. Puis avancer par là. Tomber sur rien du tout. Strictement, ah non, pardon, sur de la ferraille encore et de la redstone. Voilà, et tout prendre, bien sûr, parce qu'on est des putains de voleurs, hein, donc on prend tout. On prend tout, prenons leur tout et ne leur donnons rien. On prend tout comme des gros sacs, voilà, comme des gros chiens. Hop, on remplace par la cobble et on y retourne. Je vérifie juste qu'il n'y a rien de qui traîne en plus, non? C'est bon, c'est bon. Donc, tac, on y va. Bah on tombe aussi sur de la ferraille. Masse ferraille hein, actuellement, les entrailles de la terre plutôt riches. Hein. On est bien tombé. J'ai envie de dire.
Eh non, mais vous foutez de ma gueule! Diamant le retour! Allez! Bim! Mais c'est pas possible! Eh, mais je vais y rester des heures, moi, dans ce truc! C'est putain de plein de ressources! Mais what? Mais y a 1000 ressources au mètre carré ou quoi? Putain, je te parie qu'il y a plus de blocs de ressources que de blocs de pierre. Incroyable. C'est pas possible. C'est mathématiquement impossible, hein. Vous inquiétez. Cherchez pas, c'est vraiment pas possible. Vous ne pouvez pas avoir une map générée avec plus de blocs de ressources que le bloc de pierre. Par contre, vous pouvez avoir de la chance et tomber sur des maps avec masse blocs de ressources au moment où tu veux, justement. Genre, tu creuses et pouf, tu tombes sur les trucs. Voilà. Plutôt pratique. On va s'arrêter là pour ce couloir parce qu'il est déjà bien. Je trouve qu'on l'a déjà bien exploité. Hop, puis du coup, on va avoir les petits brouillards noirs et tout de fin fond de la terre. Ça fait toujours ça. Du coup, on va creuser. Vous, sur les vidéos, vous verrez rien. Jusqu'à ce que je fasse pouf et vos yeux vont disparaître. Parce que là, vous aurez bien mal aux yeux. Parce que du coup, j'aurai éclairé complètement la voie. Ah, il y en a qui sont beaucoup moins fructueuses que d'autres. Il y en a, faut pas chercher. Il y en a, voilà, il y en a, elles veulent pas, elles veulent pas. Ça, c'en était une qui voulait pas. Pluie de cobble. C'est bon, je suis à 64. Bon, bah très bien, bah, on a une émeraude, on a 9 diamants, on a plein de trucs. C'est l'heure de remonter, puis en plus, ça va être l'heure de la fin de l'épisode. Donc voilà, c'est un épisode qui aura encore passé très très vite, je suppose. Du coup, on va aller chercher de quoi refaire les escaliers. Faudra que je fasse une méthode de montée un peu plus rapide que ça. Un peu beaucoup plus rapide que ça. À la hache. Moi, je casse la pierre à coup de hache, moi. Je suis un taré. L'épée, ça va plus vite. Ça va la polir, mon épée, donc elle fera plus mal. Non? Dommage. Bon, bah, dommage. Oh, sérieux? Attends, la faux fait pas un peu plus vite que... Eh, hey, l'épée, tu restes. Tu restes là, l'épée, tu t'en vas pas. J'ai encore besoin de toi. J'ai encore besoin de tes services. Non, mais vous êtes sérieux? À partir du moment où je regarde sur mes pieds, directement, je tombe sur des blocs de pierre récalcitrants. Pousse-toi, bloc de pierre! Mais merde! C'est pas possible, j'en ai laissé combien? Et il y en a encore un qui m'attend en plus. 2. Putain, on n'a pas fini. J'aurais dû prévoir une pioche de secours en fait. Une pioche de sur-secours. Putain, non, j'en ai encore un là-bas. Non, mais vous foutez de moi. Je crois que je vais revenir avec un bulldozer. Je vais revenir à coup de TNT. Je vais tout lâcher d'en haut. Mais merde, incroyable. C'est bon, je peux grimper. Bon, là non, ça doit être à peu près au petit. On arrive dans des niveaux où c'est au petit. Hop, hop. Ah, ça va être toujours très très plaisir. Allez, le gros coup de stress. Putain, j'ai vu ma mort. J'ai vu ma mort. Bon. Et normalement, si je tombe, bah je tombe. Mais dans l'eau, donc je survis, vous inquiétez pas. Bon, diamonds. Pourquoi je veux ouvrir mon inventaire avec ça? Je suis pas dans Skyrim, moi. Je me crois dans Skyrim. Je veux ouvrir mon inventaire avec les touches... avec tabulation. Putain, on est plein. Oh, j'y crois pas, on est plein. Je suis plein, sa mère, j'y crois. Oh, bon, on va faire cuire. On va faire cuire tout ça. On a ramassé du charbon, pas pour rien. Hein. On va aller faire cuire tout ce merdier. Bonjour. 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 Du coup. Bonjour. 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 Voilà. Pluie de charbon. Pluie de charbon, pluie de cuisson, on est tranquille. Diamant. Eh, ferme-toi. Diamant. Non, pas là. Diamant.
diamant, émeraude. Pomme. 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 Apple. Arrow, on s'en fout. Redstone. 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 Iron ore. Ah oui, c'est vrai que j'avais plus d'iron ore. Bah, du coup, on va se refaire un petit four. On se fait un petit four et puis on va le mettre là à cuire quand même. On va en faire deux. On va faire deux fours, j'irai le poser. Bah, je vais le poser là-bas dans le coin. Je vais m'en faire une pioche de toute façon. Hop, voilà. Deux pioches même, je dirais. Et voilà. On va faire nos murs du bas en four en fait. On l'architecture à coup de four, c'est très bien ça. Architecture conceptuelle extrêmement balèze. Voilà. Et du coup, bah attends, ici on va remettre un peu. Merde, j'ai pas assez. Je vais prendre un peu au pif dans les autres. Hein. Hop, on va en mettre 4. On va en influer 4 et boum, ça va chauffer. Voilà, ça va cuire de partout, comme ça c'est très bien. Puis tant que je serai connecté pour faire mes sessions, hop, ça va cuire et puis c'est très bien. Puis quand je reviendrai ici, j'aurai ma truc. Parfait. On va bouffer la carotte qui reste. Et du coup, bah, du coup c'est pas mal. Du coup c'est pas mal. Du coup on est plutôt bien. Moi je suis plutôt content. On a une mine, on a pu aller 19 diamants. C'est pété. Et on va commencer à créer la salle d'enchantement dans le prochain épisode. Voilà. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a enfin atteint la mine. Vous aurez vu que du minage en fait. Vous m'aurez vu taper de la pierre pendant 1000 ans. Voilà. Ouais. Faudra que je pense à faire des épisodes intéressants un jour. le mec qui est en train de se dire mais ouais, attends. Mais c'est vrai que là c'est un peu. Ça va, le peuple là-dedans. C'est vrai que là c'était un petit peu nul. Oh, j'ai deux golems. Oh, j'ai deux golems. Oh, la joie. Oh, j'ai putain de deux golems. Mon cheval. Eh oh. Qu'est-ce que tu fous là Comment il s'appelle? J'ai plus. Ah, il y a un bloc. Oui, il n'y a pas de bloc. C'est l'Enderman. C'est l'Enderman qui a posé le bloc. J'y crois pas. Je crois pas à l'Enderman qui fait échappez-vous! Fuyez d'ici! Bon, ce qui est bien, c'est que du coup, mon autre golem il a survécu. Enfin, il a pu suivre. Il a pu fuir, pardon. Donc, lui, il faudra le sortir un jour. Quand j'ouvrirai les portes de l'ONU monde entier. Et du coup, ils sont planqués où les villageois? Enfin, ils sont planqués dans les maisons. Est-ce qu'ils sont planqués dans d'autres maisons de la ville? Celle-là, non. Non plus. Non plus. Ils sont pas cachés en fait. Là bah non, là je suis con, y'a rien ici. Y'a pas de porte. Ici. Non plus. Très bien. Dans l'église. Pas un seul dans l'église. Putain. Mais ils tiennent tous dans toutes les maisons là. Attends. Ah oui. Non mais je comprends. Non mais je comprends. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Là, ici, ils sont deux. Ils sont deux, d'accord. Très bien. Ici, il y a le précieux. Non, c'est toi le précieux. Non, c'est qui le précieux? C'est toi le précieux. Non, c'est toi le précieux. Ah oui, c'est toi le précieux. 8 émeraudes, un Idolander, on s'est compris. Et toi, tu veux quoi? 4 faux pour un truc en iron. Oui, non, bah c'est bon quoi, faut arrêter de déconner. Bon bah, et toi, tu veux quoi? Émeraude pour un truc de glace. Oui, ça va, tu te fous ma gueule. Tu te fous littéralement de ma gueule. Toi, prends une émeraude pour un bazar comme ça, très bien. Toi là derrière.
Oh, une botte de maille, je pourrais me mettre un stuff de maille. Je regarde un petit peu ce qu'ils ont, hein. Je me permets de faire durer l'épisode. Pour le plaisir. Une épée en diamond. Pas quelqu'un qui veut un truc ridiculement facile à faire. Ah, des livres. 11 livres. 11 livres. 11 livres. Je dois bien avoir 11 livres qui traînent. Je vais pouvoir te donner ça. Mais. Je vais pouvoir te donner ça. On va voir ça. On va voir ça ensemble. Du cochon. Ah, désolé, j'ai pas de cochon. Pas de cochon. Est-ce qu'il y a pas de. Il n'y en avait pas un qui me demandait un livre écrit contre toute la. 11 livres. 11 livres. Emerald. Bonjour. Est-ce que tu me veux d'autre? Tu dis oui. Sois content. 3 émeraudes. What? Arnaque. Pff. Autant prendre mes 3 livres et puis repartir avec. Enfin, je sais pas, c'est pas logique quoi. 3 livres plus truc de bois. Non, mais c'est une arnaque en fait. C'est vraiment une arnaque ce truc. Ça me coûterait 33 livres pour réussir à avoir une tachère. C'est ridicule. C'est ridicule. Ouais, je tue mon poulet, puis j'aille récolter. Enfin, tue mes bœufs, récolter ça, machin. Je vais faire un peu de récolte dans le prochain épisode. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu quand même. Voilà, j'ai pas fini, j'ai encore fini en retard. Très bien, normal, c'est. Typical retard, hein. Typical mec qui sait pas se tenir à ce qu'il fait. Normal, écoutez, hein, voilà. Je vous fais plein de trucs, je fais trop de trucs, je papillonne, comme ils disent. Oui, voilà, totalement ça. Bon, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu quand même. Sur ce, n'hésitez pas à mettre des pouces vers la vidéo, ça fait toujours très très plaisir. Ça va le vieux bruit dégueulasse? Ça fait toujours très très plaisir de mettre des pouces vers, voilà. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour suivre le reste de l'aventure. Et également, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour me dire un peu si vous voulez que je fasse par exemple des trucs en off ou des trucs comme ça. Également, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, comme ça vous aurez les sorties de vidéos directement sur vos Twitter. Voilà, sur ce, salut à tous et à la prochaine. Allez hop.